Pour son premier prime, Louis a dû chanter le titre des crescendo de l'homme pâle. Un choix qui a fait bondir de nombreux internautes ne comprenant pas cette décision. Et pour cause, le rappeur est actuellement visé par une enquête pour viol. Il est le premier éliminé de la nouvelle saison de Star Academy. Après le sauvetage de Margot par le public, Louis a cédé sa place face à Djibril, sauvé par les autres élèves du château de Damary-les-Lys. Au cours de la soirée, la prestation du jeune homme âgé de 24 originaire de Ville-et-Lès-Nancy dans les Vosges a d'ailleurs choqué certains téléspectateurs en raison du choix de la chanson qu'il a interprétée. En effet, Louis a chanté le titre des crescendo de l'homme pâle, un artiste actuellement visé par une enquête pour des accusations de viol. Les faits se seraient déroulés à New York en 2017. Choqués, certains téléspectateurs ont dénoncé ce choix, ce titre, qui n'a pas forcément rendu service au jeune Louis pour ce prime. D'autres ont regretté que l'artiste l'homme pâle soit ainsi mis en avant lors de l'émission. Ça choque personne le fait de lui faire chanter du hashtag l'homme pâle. On met l'homme pâle en avant? Si si esti pour chanter du l'homme pâle rentre chez toi Louis, ont ainsi commenté certains internautes. D'autres ont tenu à rappeler que ce n'était pas Louis qui avait choisi le titre qu'il allait interpréter ce soir. Si est-il le bon moment pour rappeler que ce n'est pas Louis qui a choisi de chanter du l'homme pâle, si est-il pas eux qui choisissent sur les primes, peut-on ainsi lire. Enfin, bon nombre de téléspectateurs n'ont pas compris l'élimination de Louis et ont regretté qu'il ne soit plus au château. Je suis dégoûté pour Louis, il chante super bien et j'ai aimé sa présentation, tu méritais ta place en finale. Je ne comprends pas, tu étais mon préféré avec Julien, ton départ est injuste, si est-ce pas juste, tu méritais de rester Louis, donc là on ne va plus revoir Louis de la saison. Dégoûté, tu ne méritais pas de partir, je suis dégoûté, ont écrit plusieurs internautes. Pour rappel, lors du prime, les élèves Axel, Marie-Maude, Lola, Elena et Clara ont voté pour Djibril, ce qui a provoqué l'élimination de Louis. Concernant les audiences, Star Academy a attiré 16,6% de PDA, soit environ 3 227 000 téléspectateurs.